Hello, bienvenue au sommet de la montagne avec des arbres qui se déflorent eux-mêmes. Oui, en fait, je suis en train de faire une récolte de pousses, parce que je me suis aperçu dans le dernier épisode que j'avais pas assez de bois. Et du coup, bah, je fais de la récolte. Histoire d'être tranquille après. Voilà, planter des arbres tout partout, ça va être tout joli. Bien, mission du jour, faire un enclos. Ouais, j'admets que là, un petit escalier, ce serait joli. Voilà, ce sera mon futur escalier. Hop, hop, hop. Voilà. Parce que c'est vrai que... Ouh, oui, c'est vrai que j'ai pas tout exploré. Là, ici, il y a de la pierre. Ici, il y a rien, c'est un mur. C'est déjà le soir, quoi. Et la nuit tombe déjà. Je vais peut-être me dépêcher de remonter parce que j'ai absolument pas éclairé ma base. Oui, les succès sont encore là, je filme à la suite. Hop là. Je disais donc qu'il fallait que je descende pour faire un enclos. Et oui, j'ai un accent allemand à la con, je sais, c'est mal. Bon. L'hôtel est bloqué là-haut, sérieusement. Bon. Je sais qu'il y a des choses qui... Ah ouais, non, mais faut pas que je me gourre, parce que si je la fais... Bon, je la ferai monter plus tard et je la guiderai ensuite. Mouh! Voilà. Mouh! Oui, je fais la vache. L'enclos, il sera ici. On va dégager un peu la pierre. Il faut pas tomber ici, hein. Et l'autre nunuche qui est là-haut. Voilà. Bon, alors, ah bon. Principe d'un enclos, c'est de garder les vaches au chaud. Ça, je pense que c'est assez grand. Ah, ça, de la bonne vache élevée en plein air, hein. C'est bio là, on peut pas trouver mieux, je crois, bon, de toute façon, il me faut d'autres pièces pour l'enclos. Non, par là, je peux pas grimper, c'est trop. Bon, j'aménage le chemin en fait. Ça, je ferai après, je ferai une sorte de chemin de bois. Songez le temps, hein. Il faut que j'emménage pour emménager mon île. Tant que je me croûte pas comme une quiche en bas et que... Et qu'un monstre ne vient pas me tuer. Non, ça c'est le lit.
Alors, tiens, j'ai 2 pouces d'arbre, ça peut toujours servir. Du coup, ça a pris toute la place. Alors, pour construire ma maison, bah, d'où il sort, lui? Ok, il y a un creeper sur mon île, je ne tolère pas ça. Notoriating this. Bon, ça ce sera pour la construction. Oui, enfin bon, je dis ça en rigolant, mais blague à part, non, je tolère pas là, il sort d'où lui, le creeper? Ah oui, mince, faut que je fasse des escaliers d'abord. Voilà, comme ça. Le stock, il est fait. Bon. Monsieur Vert en bas là. What the fuck are you doing here? Que fais-tu ici? Oui, alors non, t'es gentil, mais non. Voilà, viens par là. Je sais pas d'où tu viens, toi, mais tu vas vite y retourner, hein. Viens, on va s'expliquer en bas. Pas question que tu pètes. Ouf. Putain. 2 cœurs en plus, et puis le défi se terminait là. Ouais. Bon, ça va, je suis vivant. Par contre, je me demande d'où il vient. Il y a une grotte, un truc comme ça ou quoi? Là, c'est suspect. Ouais, je vais explorer là parce que... Ah mais non, ça c'est de là où je viens. C'est par là que je suis arrivé. J'aime pas trop ça. Vais aller voir là aussi, y a pas une grotte. Des fois que. Tiens, bah, bien fait de garder les échelles. Bon, bah, visiblement, y a pas de grotte. Bon, il a du pop parce que c'était le seul endroit de l'île où il pouvait, donc ouais. Par contre, pour descendre, on va y aller mollo, hein. Il s'agirait pas de se croûter la tronche sur sa propre île, hein. Voilà, faut que je mette des torches un peu partout. Bon, toi, tu manges pas de pousse d'arbre, je suppose. Une pomme, est-ce que tu manges une pomme? Non, t'en veux pas. Tiens, mange, cannibale. Non. Ouais, non plus. Bon. Voilà, escalier.
Ah bon, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas tirer les vaches tant que je n'aurai pas de blé. Et là, il est en train de pousser, donc il y a le temps. Donc ça, c'est fait. Bah du coup, comme maison, je pensais me faire une sorte de tour. Ça prend pas beaucoup de place et accessoirement, les tout se fait en hauteur, c'est l'avantage. Ce sera des petits étages, mais au moins ça me fera de la place en hauteur. Voyons voir pour l'aménage, parce que je pense que je le ferai ici. Voilà, ici ce sera la base. La tour sera collée au à ceci, comme ça il y aura un chemin qui ira de la tour dedans, comme ça du coup ça dégage. Voilà. Ouais, ce sera collé en fait. Ça fera hop. Voilà, de là. Commencer à faire les fondations. Alors oui, vous noterez que je n'enlève pas le lit. Parce que de toute façon, par-dessous, je vais mettre du bois, donc... Physiquement, ces objets sont déjà dans la tour. Tour qui sera en bois de bouleau. Parce que j'adore cette couleur. Je vais dormir que durant la nuit, oui. Oui, je dors dans un lit qui est en suspension, normal. C'est normal, bon. Non, c'est pas que je suis maniaque, mais j'aime bien quand c'est bien. Quand c'est bien arrangé. Voilà, donc physiquement la tour est ici. Voilà donc, eh bien le mur commence là. Et je n'aurai pas assez de bois de toute façon. On va attendre que le bouleau pousse. La vache là-bas, j'ai dit plus tard. Planter des arbres en bas aussi. La vache, je la descendrai de par là parce que refaire le tour. Ouais, comme tu dis, bon. Peut-être finir l'enclos. Si t'as envie d'y aller, te prive pas. Oh, mais je peux peut-être la pousser dedans. Ouais, attends. Non, je préfère pas. Elle est trop près du précipice, là. Viens là, petite, petite. Ok, d'accord.
Là, c'est limite, ça m'a pas dit va te faire foutre. Eh bah ça pousse les arbres. Bon là c'est vraiment les débuts, hein. C'est vraiment... J'arrive sur l'île, je commence à m'installer, à faire mes repères. Après une fois que j'aurai, comment dire, fini avec ma tour, j'aménagerai de manière un peu plus jolie l'île, histoire d'en faire un petit paradis. Eh bah le blé il pousse, c'est cool. Là-dedans, j'ai rien qui peut me servir. Non, de la neige, du fer. Non. Bon, sachant que c'est surtout du boulot qu'il va me falloir. Notez aussi que je n'ai plus grand chose pour faire des torches. En fait, tout va marcher avec le bois ici. Pour ça, je pense également faire une... Ouais, faisons simple. Vous voyez ce truc-là? Cette montagne. Je pense que je vais tout virer là. Je vais tout dégager. Bon, je ferai ça hors vidéo. Mais je vais tout dégager. Ça me prend un stock de pierre et de terre. Et puis je vais mettre de la terre à la place. Comme ça me fera une... Une forêt, mais plus tard. J'essaierai de faire ça pour le prochain épisode, ou moins comme ça, vous aurez pas à me regarder pendant 3 heures, clic 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 clic. Bon, ça c'est fait. Ça pousse. Ici, j'ai dit que j'avais pas assez de bois. En bas, il me faut du blé. Bon, bah écoutez, je vais commencer à... Je vais quand même commencer à casser la montagne. Ce que je me dis, c'est que j'aurais peut-être dû prendre le lit avec moi. Bon, peu importe. Voilà, je vais commencer un peu. C'est ces trucs que j'aurais dû récupérer parce qu'avec toute la neige, j'aurais pu me faire un binôme citrouille. Voilà, il va y avoir du boulot, hein. Donc là, dans l'ordre, dès que j'ai assez de bois, en priorité, finir la tour. Dès que le blé a poussé, prendre une pousse pour attirer les deauvages dans l'enclos et les faire se reproduire. Et ensuite, après, replanter bien sûr les graines de blé. Si après je me retrouve avec beaucoup de blé, je pense que j'étendrai la rizière, on verra. Enfin, la rizière, le champ de blé. On pourrait peut-être éventuellement faire un étage ou un sous-sol. Ou un deuxième ici, en fait, plus grand. Ça dépendra. Ouh, ça part vite, hein. Allez, une boule de neige pour le plaisir. Voilà. Ok, bon bah écoutez, je vais couper là. Puis on se retrouvera après pour le résultat. Là, je vais donc casser toute cette montagne. À tout de suite. Petit lag, désolé. Ah, faut que je reprenne. Voilà. Donc, ce qui s'est passé pendant cette coupure, eh ben, le blé a poussé. J'en ai profité donc pour attirer les vaches dans l'enclos. Et vous pouvez le voir, il y a un petit veau là-bas. Vous le verrez après quand on descendra de toute façon.
J'ai coupé quelques arbres histoire d'avoir du bois. Voilà, le soleil se couche bientôt. Donc ici c'est de la roche qui fond. Je vais en faire des escaliers et une passerelle. Parce que descendre par là à chaque fois c'est pénible. La passerelle, disons qu'elle permettra de descendre en bas là. D'ailleurs, pour ça, il va falloir que j'aménage un peu. Ici, bon, on va faire les escaliers de toute façon. Ce sera vraiment un début de passerelle. Bon, attendez, hop, coucher. Donc au niveau de l'aménagement, l'escalier va descendre ici. Voilà, ça descendra au fur et à mesure. Après, bon, je me suis dit, est-ce que je fais un escalier ou je fais carrément une échelle qui descend? Puis en sac pour le coup, l'escalier... Bah, disons qu'après, bon, l'escalier c'est plus long à faire, mais c'est aussi niveau esthétique. Après, bon, on aime pas. Hein. C'est aussi bien, donc voilà. J'ai pas mal de terre. Aïe. Donc cette terre, bah, va être mise à profit. Grâce à ça, je vais aménager le chemin. Donc ici en fait il y a un autre escalier qui va, enfin ça va descendre comme ça et on pourra descendre à ce niveau-là tranquillement. Je pense pas déplacer les vaches mais ici je vais combler les trous et puis faire une grande plateforme. Ce qui fait que l'escalier bah, il descendra là, il ira à la passerelle, ça descendra, voilà. Autant dire qu'il va y avoir beaucoup d'aménagements à faire. Pour ce qui est du charbon j'en ai encore d'ailleurs. Je vais me faire un deuxième four. Ouais, j'ai deux établis. Ça, c'est le coffre justement pour les rochers. La pierre. Voilà. Ça va aller ici. Voilà, parce qu'il me faut du charbon. Alors, pour les escaliers, ah oui, non, attendez, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà. Voilà, escalier en briques. Ah bon, c'est vrai que la construction, je la fais un peu à l'envers sur un point. Aïe. Par contre, faut vraiment que j'arrête de tomber parce que j'ai plus du tout de vie. Et à la base, là-bas, c'est pas le charbon que je voulais mettre, c'est la bouffe, parce que j'en ai plus du tout. Enfin, plus du tout. Bientôt arrivé en fin de vie, si j'ose dire. Donc je vais attendre que mon repas soit prêt. Donc voilà, ici je pose le dernier escalier. Je mettrai encore... Bon non, en fait je ferai un pont et puis je me démerderai en face pour faire la plateforme. Mais avant, se restaurer. Voilà. Comme ça, c'est tout beau, c'est magnifique.
Bon, ça remonte petit à petit. Voilà. Donc là, le principe, oui, c'est bien comme ça. Ça va être de faire une passerelle. Qui relie donc le point au bout. Voilà, ça arrive à peu près ici. Là, en bas, oui, du coup, j'ai plus de roche. Oui, vous avez pu voir un escalier à gauche, c'est pour que là-bas je descende. Bon, ça, c'est bon. Bon, ça va ici. Oui, la tour, je l'ai pas encore terminée. J'étais en train de construire et puis je suis parti sur autre chose là, là-dessus. Vais faire en sorte que ça ait de la gueule un peu sur la fin. Voilà le champ d'ailleurs. Il est temps de le mettre à jour. Ici, c'est des carottes que je fais pousser. Bon. Autant que je mette du blé, mais bon, je laisse quand même une petite partie carotte. Voilà. Bon, voilà déjà un peu. Histoire. Les arbres, ils prennent leur temps pour pousser, mais bon, la cadence est pas mal en soi. Voilà, petite vache. Quoi, t'en veux aussi, toi? Bon, le troupeau va s'agrandir au fur et à mesure. Bon, ça, je laisse pour l'instant. Ça dégagera plus tard. Donc, oui, les rochers. Voilà. Comme là. Ah, oui, zut. Là, sans doute remarqué, la plateforme a été aménagée. Oui, bon, ça, je suis pas non plus gigamaniaque de la plateforme. Voilà, juste que ça soit cubique. Et ici, donc, eh ben, il y aura une surélévation. Bah d'ailleurs, tant qu'à faire, vu qu'il y a un trou, je vais faire la surélévation ici. Non. Pourquoi? Bon, au moins la base est mise. Voilà. Ah, fini pour aujourd'hui. Faire gaffe à pas passer par-dessus bord non plus. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette fois et je vous dis au prochain épisode. Salut!